Hello everyone, welcome to Cook with Missy. Je dis bienvenue avec une nouvelle recette pour qui c'est crème maille. Je vais vous montrer comment je fais une crème maille. Pour faire crème maille, ça me soit besoin. Vous avez besoin de maille, c'est maille fraîche. Vous utilisez ça, c'est ça. Vous avez besoin de beurre, vous avez besoin de lait. Vous pouvez utiliser lait mamitou, lait canachon, ça est lait galon, ça est Nestlé, essence. Vous avez besoin de sel pour que vous ayez un goût, sucre, pas de pompine. Je vais besoin blender pour qu'à blender. Avant de commencer à montrer comment vous faire crème maille, je prends un petit temps pour me dire merci parce que vous abonnez avec la chaîne YouTube et merci pour tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie parce que vous êtes abonné avec la chaîne. Et vous même pour regarder, vous êtes toujours abonné avec la chaîne. Commentez en bas vidéo, share vidéo et puis remettez vidéo. Balle un like pour l'autre monde qui a joué une vidéo. Ok? Chèle avec les amis, famille. Après maïa, nous allons mettre le soudifé, nous allons chauffer. Les pas à bouillir, nous allons chauffer, nous allons chauffer. D'abord, ça pour nous blender. Nous allons mettre maïa à chauffer. Après ça pour nous blender. Les bons cognac, la vie des maïs. Au poulette là, c'est on sert le crop pour utiliser. Prenez un amitié Nestlé. Un fidèle. C'est tout à utiliser. Blender le coignet après ça montre comment sortir. Pour l'être là, on a vidé la casserole, on va le chauffer. Ok, on a chauffé le napton pour commencer à faire un petit chaud. Nous mettez moitié dans le beurre. Mettez la table chaude. Ce n'est pas bouillir, non, chaud. Chauffer. Je vais chauffer la table et ça va nous mettre moitié dans le beurre. On met moitié dans le beurre. Il y a fini de blender, je vais montrer comment m'a passé. Ok, je vais finir de blender ma vie. Je vais le faire bien, c'est bon. Je vais finir de blender, je vais le faire bien. Blender à faire bien. Quand il y a là, on a besoin de passoire avec un autre bol. Pour que passe. Passer.
on fait une couleur. Après ça, on va mettre l'air d'être la fille. On va bien la fille femme. Ça, c'est ma gamme de passer. Comment dire? Quand il y a la lettre là, on va dire chauffer. Ce menu, ma petite est frais. Ma petite est la fouette. Pour me vider la blender. Ce blender, je vais rincer l'encre. Je vais laver l'encre bas. Parce que je connais crasse maille. Hein? C'est pas maille, c'est la dedans. Ce faut me rincer l'encre. Quand il y a la fouette, ma vide l'être là dans le blender. On vide le lait dans le blender à bas, mettez sucre et puis mettez sel là pour qu'il y ait le goût. Cahier essence. De blender tout ensemble. Vous pouvez mettre dans ça. On va le mettre dans le freezer après ça l'aide pour montrer comment ça. Maintenant, bon cognac, mes crèmes maillées. C'est pour ça qu'on peut parler de crème maillée. On a sommé à la pour cabrer. Pas oublier d'abonner avec YouTube channel là. Follow me on Instagram at Cook with Missy. Go on Facebook. Remember my page Facebook, Cook with Missy. La fin de la vidéo, balle un like. Pour l'autre monde, ta journée.